culotte. J'ai regardé sur internet parce que ça me posait quand même souci. Là, je restais quand même bloqué. Donc, oui, je préfère jouer carte sur table pour cette 12e vidéo. J'ai regardé un petit peu ce qu'il fallait faire, où se rendre. Et effectivement, ce monsieur culotte, enfin, est par ici, mais il ne faut pas rentrer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La carte nous induit en erreur. Il ne faut pas rentrer pour jouer au baseball. Il faut contourner. Donc mon idée de passer tout à l'heure par la gauche n'était pas si idiote que ça, sauf qu'en fait il fallait passer par la droite. En fait il fallait passer par là. Mais je découvre en même temps que vous. Hein, voilà. Voilà, là il y a un escalier. En fait moi je suis sorti par la porte. J'étais pas loin en fait hein, de la solution. Hein, faut quand même dire ce qui est. C'est-à-dire que j'ai quand même pas été trop bête. J'ai quand même pas été trop bête. Je peux pas non plus, voilà, je vais pas me maudire jusqu'à la fin des temps. On n'était quand même pas loin de la solution, hein, voilà. Hein, je vais pas battre ma coulpe, pardon, plus longtemps. Donc normalement, notre petit pervers voleur de culottes, que je rappelle, hein, qui est quand même condamnable. Alors là, il y a le choix. Il y a monsieur et il y a monsieur. Bon, moi j'imagine que lui c'est le pervers et lui c'est autre chose. Lui il va pas bouger hein, parce que lui de toute façon c'est un sans-abri donc de toute façon. Mais à mon avis c'est lui hein, parce que regardez-moi ce qu'il est en train de faire ce petit coquin. Il est en train, voilà, de. Ben oui. Ouais. Pourquoi pas? En même temps, pourquoi pas? Qui nous sommes pour le juger après tout? Hein? On vit dans une société où nous ne cessons de nous plaindre, on vit dans la société de l'offense. Qui est-on? Que fait-il de mal finalement? À humer du textile. Parce qu'on peut voir les choses comme ça. Moi, si j'étais son avocat, et je suis un avocat dans le jeu, je dirais, mais laissez donc, monsieur, humer le textile. Alors que c'est comme ça maintenant? On n'a plus le droit de humer du textile? Ah, l'odeur est fraîche, mais avec une note musquée. Si ça se trouve, c'est une belle fille bien replète du type working girl. Et vous? Hein? Qui ose déranger mon festin? C'est vous qu'on appelle le professeur culotte? Hein? J'aimerais pas qu'on m'appelle comme ça. En effet, mais il m'a l'air fier. Putain, la tête, c'est Hitler. C'est le fils d'Hitler. En effet, j'ai de nombreux surnoms, professeur culotte, le savant des sous-vêtements, l'érudit de la lingerie. Êtes-vous là pour prendre part au banquet à mes côtés ou un simple charognard cherchant à passer derrière? C'est bien écrit, remarque, hein, c'est sympa. Sans vouloir vous décevoir, ceux-là sont à moi, enfin, pas au sens littéral. Je les ai achetés pour vous trouver. Bon, attendez, je fais un petit setup pour voir le chat où il n'y a personne. Parce que moi j'aime. En fait, c'est pas pour le chat, c'est pour savoir où j'en suis au niveau du temps. C'est mon petit timer. Ça reste entre nous. Sans vouloir vous décevoir, ceux-là sont à moi. Enfin, pas au sens littéral, je les ai achetés pour vous trouver. Quoi? Je ne mérite pas ce châtiment. Oula, qu'est-ce qu'il va me faire Hitler? Il va me déporter. Hé! Burke, je vais vomir. Je me suis délecté de l'odeur de sueur d'un homme. Ah non, mais c'est. Il y a mésentente. C'est pas parce que je vous cherche que je vais porter. N'opposez pas de résistance. On va vous trouver de bonnes odeurs bien enivrantes au poste. Jamais! Il y a trop de culottes dans le monde qui n'attendent que d'être découvertes. Si vous mettez au travers de mon chemin, vous êtes un homme mort. Ah oui, en plus, on va se battre contre Hitler. Bon, pourquoi pas, hein? Ça se trouve, il maîtrise très très bien tout. Mince, il va prendre un pistolet. Non, il va sortir une culotte. Ouais, bien sûr. Attendez, c'est quoi ça? Ça, excusez du peu. Appartenez au top modèle Arisa Takeda. Sniff, sniff, sniff. Oui. Ah oui, bon, alors on est vraiment dans un jeu japonais. Le pouvoir Fushia m'envahit. Ah! Pas possible. Il devient plus fort. L'odeur du sexe me donne de la force. Tu vas connaître la puissance de ma libido pré-préo-préominante.
C'est très sympathique. Allez hop, c'est parti. Allez hop là, là on rigole pas. Moi les pervers. Ouf. Ça en général ça t'empêche de bouffer pendant un mois. Merde, 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 non, 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 tu vas te calmer déjà. Ah non, R1 c'est pour bloquer. Merde. Il s'agirait pas que je me fasse baiser. Putain. Et voilà, oh là, voilà, oh là, voilà, oh là, voilà, oh là, on s'est mal compris. Allez, viens. Ta mère. Difficile là. Je me suis repris un peu de vie. J'essaye de bien jouer, mais c'est pas simple. Putain, mais il est bon hein. Mais quoi, j'étais plus sur lui? Non mais là c'est dégueulasse. Ah voilà. Moi j'ai te latte à l'ancienne. Allez viens là. Merde. Coup du tomahawk. Merde. Allez là mon gars. Oh là là, il met souvent à terre quand même hein. Non mais faut que je reste focus. Pas que j'ai peur de bien le latter. Ah putain, mais pourquoi il lui tourne le dos? Faut que je lock hein, tout le temps. Hein. C'est... Voilà, là c'est pas mal. Bon, j'ai changé de style. Putain, il me met la misère. J'ai fini par la voir, mais c'était quand même à la dégueulasse. Hein. On s'est battu à la dégueulasse. J'en suis désolé. Hein. Mais petit à petit, je maîtrise mieux. Hein. Mais c'est comme exigeant. Hein. Faut appuyer sur. Faut loquer, faut X, faut se déplacer, faut parer. Bon, je. Quoi? Même ma rage gorgée de culotte n'a pas fait le poids. Mais c'est bien écrit. Hein. Les dialogues sont pas mal en plus. Hein. C'est rigolo, quoi. Eh! Hey. Je te ramène en ville, Starbay. Je suis peut-être amolli, mais les autres sont encore debout. Ils verront à ce que tu périsses. Ha 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 ha. Tu rigoles comme le poseur de bombes. Fais attention, je pourrais lier l'affaire. On se reverra en enfer. J'en ai d'assez. Amène-toi. On arrive toujours un petit peu tard, la police. Hein. Je devrais dire aux jumeaux Sao Tome ce qui s'est passé. Par contre, j'aimerais bien parler au... J'espère qu'on sera toujours sur le toit. Parce que moi j'aimerais bien parler au SDF là, il avait quelque chose à me dire, il avait quelque chose à me refourguer. Oh putain non, il faudrait y retourner évidemment. Mais c'était pas loin. Soyez rassurés, vous n'entendrez plus parler du professeur culotte avant un bon moment. Waouh, vous êtes extraordinaire Yagami-san, vous l'avez pincé. Merci Yagami-san, je suis soulagé. Oh, mais avant que j'oublie, je crois que Tsukino voulait vous demander une faveur. Vous voulez quoi? Elle me fait peur elle. Ah oui, j'écoute. C'est difficile de demander ça, mais... Ne vous inquiétez pas, je suis prêt.
Pouvez-vous détruire les enregistrements où je parle de mes culottes? C'est affreusement gênant. Mais on n'a jamais enregistré quoi que ce soit, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous croyez que je mange de ce pain-là? Je garde tout là, moi. Ici, là. Tac. Bien sûr, si ça peut vous rassurer. Ce professeur culotte est probablement le seul type à les avoir vus, non, Tsukino? J'ai dit que je ne voulais plus en entendre parler. Allez, les enfants. Donnez-moi vos 50 000 euros. Hé, Yagami-san, juste pour votre gouverne, Tsukino est disponible, alors, si jamais vous vouliez voir ses culottes. Et mon éthique? Tu veux que je te casse la gueule, jeune freluqué? Ah ah, sortez d'ici avant de dire des bêtises. On verra ça quand même plus tard. Je te donne mon tatou et mon tam-tam. Tu peux me contacter. Voici mon adresse Minitel. Le trio tordu. Espérons que les flics se chargeront des deux autres. Ah, parce qu'il y en a trois. Ok, oui, c'est ce que... Ouais, bon, j'ai gagné quand même beaucoup, beaucoup de sous. Donc on va sortir du centre commercial. Ah, décidément. Non, alors toi, je sais qu'il faut que je te chope quand t'as une bacte. Allez, attaque. Bon, si t'attaques pas, je te pète la gueule, moi. Voilà. Ok, je commence un petit peu à maîtriser mieux ce lock, hein, qui doit toujours être en permanence activé, en fait. Hein. Bon, la mission culotte est terminée. Moi, ce que j'aimerais quand même, c'est me re-rendre sur le toit. Oui, j'aurais allé là. Parce que j'aimerais parler... j'ai vu qu'il y avait un sans-abri. On va pas dire un migrant, parce qu'on a bien vu que c'était un japonais. Donc on va dire que c'est un sans-abri, c'est une personne sans domicile fixe, même si celui-ci a l'air un peu fixé quelque part. C'est pas un clandestin, quoi. Ah, décidément, j'ai entendu que... Ah bah alors lui, il a décidé de me péter la gueule, pourquoi pas? Mais là, t'es tombé sur le mauvais cheval. Et voilà, alors toi, cassage de gueule à l'ancienne, après il y a la voiture. Et voilà, mon côté Batman. Je lui sauve la vie, mais pour mieux lui péter la gueule. Et où l'autre? Allez. Voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Enfin. Voilà. Et voilà, je commence à maîtriser mes combos. Là, ça commence à rentrer. Là, je suis content. Ah, je vais pouvoir... m'upgrader quelques techniques. Oui, donc on va remonter parce que j'ai vu qu'il y avait moyen de se lier d'amitié avec ce pauvre R. Voilà. Une partie de Shogi. Jouer une partie de classé. Relever un défi. Je ne sais pas jouer au Shogi. Alors, va te faire foutre. Eh bien, faites-moi savoir si tu changes d'avis. Oui, bah peut-être hors ligne, je lirai les règles et puis on fera une partie de Shogi. Mais pour le moment, soyons raisonnables. Je suis pas sûr que ça passionne les masses. Donc là, on va pouvoir continuer. On va se rendre à la tour. Déjà, je vais retirer le marqueur. On va continuer notre enquête. Parce qu'on en est là. Alors normalement, en affaires secondaires, on en a plié deux, hein. Voilà, il nous restera le poseur de bombes. Bon, on verra ça plus tard. On va continuer hein, sur notre affaire principale. On doit se rendre à la Millennium Tower. Hop. Question vie, bon, il me reste juste ça. Bon, j'ai quand même 5 sandwichs. On va dire que ça va aller, hein. Hein, semi-marathonien. Ah ok. Mais à la limite, on peut regarder là, vite fait ce que je peux, les aptitudes. Augmenter grandement la santé maximum. Alors, effet permanent, PA insuffisant. En fait, c'est juste parce que j'ai pas assez de PA. Ok. Mais celui-là, par exemple, il est bloqué, donc il y a bien raison. Il faut faire des choses. Augmenter les dégâts d'attaque. Il y a quelque chose à faire pour ça. Tigre uniquement. Dans le style du tigre, Yagami sera moins vulnérable aux attaques ennemies. Ah bah ça m'intéresse, évidemment.
Et ben voilà, très bien. Il me reste quoi, 2,62? Bon, l'alcool, on a dit que c'était non, hein. Vous avez débloqué les aptitudes, très bien. Ça, je m'en sers jamais, hein. Ça, c'est quand le mec est à terre, je l'ai peut-être fait une fois. Gérer contrer adroitement l'attaque enragée d'un ennemi. Consomme un semant. Appuyez sur triangle face à l'attaque d'un ennemi tout en le provoquant. Le provoquer, c'était L3. Hein. J'ai acheté plein de trucs, mais. Alors, attends, plutôt, peut-être dans tout ce qui est un peu chiant, là, les. Renforcez vos rapports avec vos petits amis quand vous lui faites un cadeau. Allez hop. Comme ça sera, on perdra pas de temps avec toutes ces niaiseries. Ami éternel, charge grandement la jauge EX quand un ennemi vous salue en ville. Parfait. Et là pour les clopes, charge grandement la. Ah bah ça permet de charger la jauge EX quand on va dans la zone fumeur. Allez hop. Et bon, il n'y a pas encore un petit truc à 50 là. Allez. Bon, allez, c'est bon. Par pas plus de temps, on se rend à la tour. Ouais, il me dit vraiment en avance quand on arrive quelque part. Hein. Bon, je commence à connaître un peu maintenant. Oh là, cinématique. Je crois que le drone est tombé par là. Alors, je me souviens plus du tout cette histoire de drone. Oh. Ah, mais pourquoi? Petit homme, désolé, hein? Pourquoi il a dit pourquoi le. C'est une erreur de traduction ça. Pouh! Est-ce que ça va? T'es blessé? Non, ça va. Oh, je suis soulagé. Mais je crois que j'ai raté la personnalisation. Je dois me concentrer sur la vitesse. Mais de quoi il parle? Je ne crois pas que la vitesse soit le problème. Fais attention quand tu utilises un drone dans une ville surpeuplée. Oh oui, t'as raison. Désolé, il arrive que ce petit gars s'emballe. Ouais, bah c'est ça, tu vas couper des têtes avec ton truc. Fais gaffe, hein. Je ne trouve pas ça très drôle. Je crois que tu es juste un mauvais pilote. Oh! Je ne peux pas le dire contraire. Mais c'est pas facile de piloter un drone, tu sais. Je sais, j'en ai un moi aussi. Hein? Vraiment? Alors, on est rivaux? Pardon? Rivaux? Oui, tu vas t'inscrire, pas vrai. Ça va être une course de drone, truc qui m'intéresse absolument pas. De rallonger la durée du jeu, la durée de vie du jeu. Ralenti, m'inscrire à quoi? Quoi? T'es pas au courant, la course de drone, mec. Il y a une course? Ouais, mais bon, moi ça m'intéresse pas, ça c'est des trucs que je vais faire hors ligne, ça. Bien sûr, c'est aujourd'hui. À vrai dire, quand mon drone t'a percuté, j'étais en plein vol d'essai. Je vois. Mais est-ce que c'est légal de voler aussi vite en ville? Bien sûr, c'est même encouragé. Si c'est pour une course, il faut être rapide pour gagner. Regarde, le service des inscriptions est là-bas. Et si tu participais, hein? Viens, par ici, bouge-toi. Non, non, mais moi je veux pas, ça m'intéresse pas. Hé! Ah, mais on est obligé de le faire. C'est ici qu'on s'inscrit. Vous avez une communauté plein d'entrain, dis donc. Ouais, tout le monde fait des modifs de dernière minute pour la course. Ils custom leur truc, quoi. Des personnalisations, hein? Ouais, il faut les rendre plus rapides possible pour gagner. Hé, je sais, montre-moi ton drone. Hein? Ok. Tu veux pas voir ma bite aussi? Tu veux pas modder ma bite? Hein? Tu veux pas custom ma bite ou mon slip? Ça risque d'être un peu difficile, mais je dois t'emporter ton drone. D'accord. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, t'en fais pas. Je vais me faire pardonner de t'avoir percuté. Ah bah ça a été rapide, hein. Un petit coup de scotch. Voilà, il est prêt. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai modifié pour qu'il soit plus rapide. Ah bon? Je ne vois pas la différence. Bah oui, mais il est pas en train de voler en même temps ton drone, donc comment veux-tu voir la différence? Tu veux le jeter contre un mur? J'ai juste touché à l'intérieur, mais tu verras le résultat pendant la course. Tu vas pas en revenir. Vraiment? Fais juste attention à ne pas voler trop vite en dehors de la course, ok? Les flics nous ont à l'œil à cause de quelques brebis galeuses. Qu'en couper quelques têtes? Ouais, je ferai attention.
Il a l'audace de me faire la morale sur la vitesse, après m'avoir percuté en pleine tête avec son drone. Mais... qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, c'est le labo de drone. Le labo? Pour faire simple, il fabrique des pièces de drone. Si tu tombes sur une course difficile, va les voir pour améliorer ta machine. Ah, donc, le but est de le personnaliser soi-même. Alors putain, qu'est-ce qu'il y a de choses à lire? Vous pouvez obtenir des matériaux pour vos pièces de drone en récompense des mini-jeux ou en explorant la ville. Certains matériaux se trouvent uniquement dans des endroits accessibles aux drones. Ah oui, d'accord. Bon, je crois que je suis prêt. Rendez-vous sur la piste. Ouais, c'est ça, va te faire reculer. Oui, oui, on va lui dire, on lui dira. Allez, vas-y. Je te suis. Marche pendant 1 kilomètre, je te suis. Oh, je me suis jamais présenté, pas vrai, je m'appelle Makihara. Mais petit homme, moi ça m'allait très bien de t'appeler petit homme, hein. J'ai pas besoin de savoir ton nom. Hein. Moi c'est Yagami, content de faire ta connaissance. Ouais. Si t'as des questions sur les courses de drones, fais-moi signe. Oui, 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 ça me passionne, évidemment. Je me lève tous les matins pour savoir où on en est au point de vue dronesque. Les courses de drones, j'avoue que ça a l'air marrant. Non, 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 mais on s'en fout complètement de la course de drones. Moi ce qui m'intéresse, à la limite, c'est de le perfectionner, oui. Oh bah décidément, on ne joue jamais dans ce jeu. Oui, je réponds. Ça va être Keto. Ouais, voilà, c'est Keto. Ah, notre enquête peut avancer. Non, je connais pas, mais ça va être marqué sur la map. Ne t'inquiète pas, Keto. そんなのあったか。俺も知らなかったけど、あるんだとよ。場所は七福通りだ。先に行ってる。お前も向かってくれ。ああ、ラララララ。 Mais par contre, je voulais, voilà, ouais, moi je veux faire de la mécanique. Quoi, je peux pas lui parler? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi le problème? T'es là, mais t'es pas là. Ah, il faut peut-être être en face. Bienvenue, voici le labo de drone. Vous voulez concevoir des pièces? Mais oui, je veux customiser à mort. Du lait, du charbon. Ah oui, parce qu'on a besoin de lait, de charbon. Et ça, ça permet de faire quoi? De changer le châssis, le moteur. Pièce de moteur développée par 6MZ, un moteur de type maniable recommandé pour géométrie à la vitesse. Hélice. On s'en fout. Matériaux requis, j'ai pas assez. J'ai pas assez pour rien. Non, donc bon, on reviendra. Merci. Bah, je t'en prie. Revenez si vous voulez fabriquer d'autres pièces. Bah oui, mais il manque du lait. Bah quoi, je vais aller... Ah bah tiens, j'ai fait tomber votre saloperie. Il y en a un qui veut se battre. Vous êtes un. Et l'autre, elle est carrément à la poêle, quoi. Et elle, c'est quoi? C'est la course de drone. On peut pas lui parler à elle. Mais c'est fou. Ouais. Bienvenue. L'inscription en cours des drones, c'est ici. Avez-vous déjà piloté un drone? Sinon, je vous recommande de commencer par un vol d'essai. Voulez-vous effectuer un vol d'essai? Non. Pas de problème. Que voulez-vous faire alors? Jeu en ligne, course simple, vol d'essai, non je veux partir. Ouais oui, c'est ça. J'ai du taf moi. Bon là on est quoi, dans le centre commercial? Ah j'ai trouvé quelque chose. Plastique résistant. Oula putain, ah oui d'accord. Il saute d'ici lui. Et il se tue. C'est la fin du jeu. Bon bah allez on se casse. Et là, on est où exactement, en fait? On est dans le Millennium... On est dans la Millennium Tower. Ok. Pourquoi pas? Et on sort par là. Très bien. Bon, on va continuer. On va aller retrouver Keto. J'ai upgradé 2-3 trucs. Niveau bouffe. Bon, j'aimerais que... Ah oui, non, mais en fait, c'était vraiment pas très très loin. Hein. Quoi? Encore? Ah,
Merde. Eh hey, oh tu fais quoi avec ton vélo là? Allez, 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 viens, 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 viens. Et voilà, c'est qui le patron? Ta gueule. Allez hop, on a rendez-vous. Au roi, au kitsch. Roi Kitsch, ça doit être là. Bah tiens, j'ai trouvé une petite vis. Aluminium terne. Ça m'aidera pour mon drone, certainement. Bah dis donc, c'est curieux cet endroit. Ah, c'est les gens pêchent. Pourquoi pas, hein. Bienvenue. Excusez-moi, je fume un peu. Ah, je pensais qu'ils allaient parler, pardon. Bon, où on en est avec la taupe? Ayabe ni hanashitara, omae o koko e yobe tte iwarete yo. Tada, ore mo hajimete no basho da. Itsumo to katte ga chigau. Ore ga shotaimen nande mukou mo keikai shite ru wake ka. Sou iu koto daro na. Ma chaîne YouTube, c'est Bosseron 14, et pour me parler, c'est sur, uniquement sur Twitch. Hein. Bosseron 14. Pardon pour le bruit de la cigarette. Oh, je sens que ça sent la bagarre encore. Le pétage de gueule en perspective. Prenez donc une canne, oui. Yo, sureter ka kyou wa? Ya, shizukana mon da yo. Ki ga chiru ze. Achi itte ro. カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。逃亡犬じゃねえ。いい手目に相手のか。ダマフィニアポルトワーソルトゥ。俺ら何も。ああ。他を当たりや。俺らが手下の知り合いに見えるか。なんで綾部が手下って知ってんだ、こんな。え、あ、その。 Technique de la grue pour les latter à plusieurs. Ouais, t'as merdé, Keto. Il me fait pas peur ton coupe-chou. Ton coute-là. Loubert. Allez. Voilà, très bien joué. Allez, un petit boost. Allez, allez, on va trop prendre. Allez, ben, oh putain, puis en plus on fait un double avec Keto. Parfait. Oh là là là, oh là là, on tente, normalement. Voilà, là c'est bon. Tiens. Ah bah j'ai même pas eu le temps d'utiliser mon banc. J'ai même pas eu le temps de me faire plaisir avec mon banc. Que Keto le terminait. Gracieusement. Je l'aime bien Keto. Il a du style. On s'est pas fait toucher hein. C'est lui, Ayabe. Ayabe, Ayabe. C'est lui. On a passé le test.
綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな。口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつら。みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたは海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあまあまあまあ。で、綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。オッケー。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノ、ラマンだ。ラマン、encore un mot français, décidément. フランス語で愛人って意味だ。 Oui, je sais. Je le parle couramment. 恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってガラかよ。Merci. 綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。Vous avez obtenu 300 jetons de casino et la clé de l'amant.Ok. Parfait. Juste en pétant la gueule à 2-3 types. Donc, on peut aller se rendre. J'aime bien, moi, quand c'est comme ça. Quand on est, quand on découvre un passage secret. Oui, à chaque fois, il pousse la porte. Alors bon, on sait déjà que la clé X c'est la clé de mon appart, c'est la clé de mon appartement, donc on sait que ça va être R1, parce que le triangle, on sait bien que c'est la porte pour la sécurité. Mais je crois que j'ai débloqué un truc pour pas me tromper de clé de toute façon. Eh bah dis donc, c'est drôlement bien agencé ici. Ça flirte avec l'illégalité à plein nez, mais ça m'a l'air d'être très cosy.釣り堀の真下にこんなとこが。ああ。よし。そんじゃまあ、軍資金もあることだしよ。少し遊ばせてもらうか。J'ai encore gagné 100 PA. Ok, ok, ok. Bon, attends, je passe en vue subjective pour regarder un petit peu tout ça.Ok, là on peut jouer au blackjack, j'imagine. Non, là non, c'est poker, pardon. Mais je sais pas jouer au poker. Enfin, j'ai appris, mais j'ai oublié. Le blackjack, je savais. Je vais faire une partie de blackjack. Voici la table de blackjack, vous joindrez vous à nous aujourd'hui. Mais partie faible, enchérir à partir de 10 jetons.Bien sûr, si vous avez de la place. Très bien, monsieur. J'y ai joué beaucoup quand je jouais à Red Dead Redemption, le premier. Mais j'ai oublié les règles, faut pas dépasser 21. Mais les parties à faible enchère commencent à 10 jetons la partie. J'en ai combien? J'en ai 30. Déplacer la caméra, sélectionner, modifier. Oh, on va vite comprendre. Bienvenue à table, Blackjack, mesdames et messieurs. Je vous souhaite bonne chance. Alors, misez. Bah, c'est très bien.Il a 9. À votre tour, monsieur, que voulez-vous faire? 6, 7, 8, 9. Je tire. Hit. L'as, je sais plus. Je reste. C'est au tour du croupier. Il y a combien? Yari Masha.Ouais, j'ai gagné. Très bien. Je quitte. Je voulais juste faire une partie. Puis comme ça, les gens qui regarderont la vidéo se diront, moi, dis donc, paye pas de mine, mais il assure grave. Si je suis comme ça, moi. Et tac, la récré est finie. J'en ai bien conscience, je voulais juste me refaire la main.
どうも、カイトーさん。それと、あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。La modélisation des visages est terrible. さっきは試して悪かった。C'est mortel. カムロ署、組対の綾部だ。Yasuko Ayabe, brigade anti-gang, ok. Yoroshiku. Dou da, koko no kajino wa. Kinitta ga? Nanda suria? Anta no mise ka yo. Koko no eigyo wa ore ga mekoboshi shite yatte nda yo. Sore ni toujoukai e no migajime mo ore ga nashitsukete yasuku shite yatta. Ore no kajino tsutte mo bachi wa atanne e daro. Sono wari ni kyou made sasotte kure nakatta nda na.あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。教令会のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。で、あんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。紹介サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。Qu'est-ce qu'il veut？大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。ああ、キャムロッシュ。Véreux comme pas deux. Mais on y trouve tout ce que l'on veut.さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね。押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。いやだね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとけ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。C'est le gendre parfait。苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。Entendu。 やばベベ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。Non, moi une partie m'a suffi. Je veux continuer l'histoire. Sinon, je vais passer 1000 ans. Lui, on peut changer les jetons? Ou échanger des jetons contre des récompenses? Échanger contre des prix?Un pass de jeu. Bon pour pass gratuit. Tsukubasi. Réveil spirituel. Ah, il faut 1500 jetons. Peinture à rayures. Peinture à carreaux. Jolie peinture. Peinture florale. Peinture colorée. Peinture élégante. Peinture camouflage vert. Peinture camouflage marron. C'est pour mon drone peut-être.Je vais prendre une peinture camouflage marron et une peinture camouflage bleu. Ok, merci beaucoup, monsieur, amusez-vous bien. Allez,
C'est charmant, hein. À bientôt. À bientôt, les pecnos. Bah, ok, bah, parfait. Hein. Faut que je me souvienne. Ah, quelqu'un a oublié une vis. Non, un câble de qualité. Bon. Ok, ok, ok. Très, très bien, très, très bien. Donc, je vais retourner à l'agence pour ouvrir l'enveloppe, pour en savoir un peu plus sur la taupe. Ce fameux serial killer qui est énucule les yeux énuculés. Alors, je sais plus comment dire, hein, je suis un peu dyslexique, hein. Veuillez m'en excuser. Ce serial killer qui y a eu 3 victimes. On a fait pour résumer, on a fait innocenter. Ouais, bon, je me bats avec eux et puis on fait un bilan après. Voilà, bon, ça a été rapide. Ouais, 3000 yens, hein, des fois ça vaut le coup de se battre. Et là, il y a aussi un truc à ramasser. Là. J'ai l'impression qu'il y a des trucs à ramasser depuis que je peux customiser. Donc, oui, on a fait innocenter Amura du meurtre. D'un des Yakuza du clan adverse, mais en réalité il aurait donné le... c'est pas lui le tueur, mais il est complice, et nous on cherche le véritable meurtrier, et le véritable meurtrier on l'appelle la taupe, et il arrache les yeux de ses victimes. Donc on sent que c'est quand même quelqu'un d'assez motivé dans ses actions, hein, quand il entreprend quelque chose, c'est pas pour plaisanter. Par contre, j'ai plus de... Oh, j'ai encore assez... Oui, on est toujours au même point. J'ai encore assez de bouffe. Là, c'est quoi? Attends, mais il faudra que je me souvienne. D'où j'étais. Oui, l'amant, c'est là. Oui, donc ouais, on s'en souviendra. C'est bon. Ah, mais il y a encore un truc à ramasser. Oui, donc maintenant, je ramasse des choses. Hein. Ou alors, c'est moi qui étais complètement aveugle avant. Et décidément, je pars toujours dans la même mauvaise direction. Allez hop, je vais essayer de bousculer personne. Je vais essayer d'être un citoyen modèle aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de monde, c'est quand même bien fait. Ah voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Allez, viens là, toi. Allez, maintenant qu'on est en one-on-one, j'ai pété la gueule à l'ancienne. Voilà. Et allez, 1000 yens. Très bien. Oh, pousse-toi. Donc on va retourner chez moi pour ouvrir ce petit document. Bon, normalement, chez moi, je sais comment y retourner maintenant. Hein. C'est bon, hein. Plus besoin de regarder la carte là, faut pas déconner. Allez, cinématique. Excusez-moi pour le bruit de la cigarette par avance. Un traquenard. On m'attendait. Oula, mon dieu. Allez. On va essayer de bien jouer. Agresseur mystérieux. Déjà, on change le style. Merde, j'avais moyen de faire un truc. Voilà. Allez, Rey Mysterio. C'est pour l'instant, c'est pas mal. Je fais une petite feinte. Non, merde, j'ai déloqué. Mais je vais le choper, en fait, parce qu'il a sa batte. Et voilà, je t'ai refait les dents, là. Normalement, là, je t'ai refait les dents.
Bon, ça s'est bien passé. Plus ou moins, ça va, j'ai pas trop. C'est de mieux en mieux quand même. En début de partie, je me serais fait défoncer. C'était quoi ça? Il voulait l'enveloppe. Certainement envoyé par la police. Blessure mortelle. Oui, ça, on est au courant, mais quoi, je suis vraiment blessé. Non, je vais me remettre un petit coup de. Voilà, ça va. Oui, ça serait bien que j'aille voir le docteur, mais pour le moment, ça va encore. Hein. Bon, on va se laisser sur cette partie, juste avant d'ouvrir l'enveloppe. Hein. Le cliffhanger. Avant de rentrer dans l'appartement. Donc, on se laisse ici pour cette partie 12. Et puis, je vous dis à très vite. Avec mon plus beau sourire. Pour cette partie 13. Faites pas trop de bêtises. Et puis, essayez de voir le positif des choses dans la vie. Hein. Tout va bien se passer. Je sais que les temps sont troubles.